Salut. Salut à toi. Salut. C'est petit trag. Eh bien salut à tous et à... Attends, on va se calmer un peu là. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est petit trag. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. T'as cru que j'allais dire Brawl Star? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah écoutez, ça va mieux. Ça va mieux qu'hier, qu'avant-hier, que les précédents jours. J'étais parti en week-end, ça m'a permis de réfléchir un peu de ce que je voulais faire et de ce que je vais faire par la suite. Regarde la vidéo, elle va être rapide. Je vais faire un maximum de montage pour que la vidéo soit tac 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 tac, que tu t'ennuies pas. Bois, li, bois, loup, patati, patatou. Donc les amis, comme vous l'aurez compris, dernièrement il y avait beaucoup moins de live Brawl Star. Tout simplement, en toute honnêteté, je me suis lassé du jeu. J'ai trop joué au jeu, même si j'adore toujours le jeu. Donc j'ai décidé de faire une pause. J'y ai joué un peu ce week-end, mais c'était... comment, un peu écœurant. J'y jouais, mais quand je coupais, ça me faisait du bien de couper le jeu. Donc j'ai désinstallé le jeu de mon téléphone carrément. Et du coup, ça m'a forcé, à revivre quoi, tout simplement, parce que j'étais enfermé dans le jeu. Je me suis embrouillé avec ma copine par rapport à Brawl Stars. J'ai eu des histoires avec Brawl Stars, je me suis embrouillé moi-même, j'ai fait des conneries, bref. Ça c'est fini. Brawl Stars j'adore, je continue Brawl Stars sur ma chaîne YouTube. Il y aura beaucoup moins de live, et là j'en viens de pourquoi, enfin du pourquoi, du comment. Je t'explique ça là très clairement. Jusqu'à maintenant j'ai pas de travail, je vis sur le dos de l'état français, c'est à dire pour l'emploi. Sauf qu'il se trouve que quand j'ai commencé YouTube, je faisais déjà rien pendant une bonne période. Et aujourd'hui je veux dire merci à pas mal de personnes qui aujourd'hui m'ont fait sortir de ma bulle. Simplement parce que j'avais pas de travail, je regardais des séries, je faisais plein de trucs sauf m'occuper l'esprit, passer du temps et au final m'ouvrir l'esprit pour ensuite rechercher du travail. Donc comme tu l'as compris, là je vais pas tarder à avoir un nouveau job à temps plein bien sûr. Donc YouTube ça va rester présent dans ma vie, donc je vais essayer de continuer YouTube, soit des lives, soit des vidéos, soit les deux en même temps. Ça sera beaucoup moins régulier que ce qui était jusqu'à maintenant tous les jours, mais ça sera régulier par semaine. Ça je vais voir comment je vais pouvoir faire par rapport à mon futur travail. Et c'est un travail qui consiste à avoir beaucoup d'engagement personnel, donc je verrai comment je vais pouvoir adapter avec YouTube. Deuxième truc, il y a pas mal de personnes que je devrais remercier. Aujourd'hui je devrais remercier Brawl Stars, parce que c'est un jeu que j'ai découvert grâce à deux personnes du côté de ma copine. Pierre et Vincent, ils m'ont fait découvrir ce jeu. Aujourd'hui, je l'ai fumé, mais bon, c'est par rapport au temps de jeu. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert ce jeu. Et grâce à ce jeu, j'ai découvert pas mal de personnes, dont Fitzay, alias Like the Boss, que je connais vraiment depuis le début. J'avais commenté sa chaîne comme beaucoup, sauf que c'est le seul avec qui j'ai gardé un lien. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont disparu dans la nature. Et ensuite, j'ai rencontré Atomix. Et une personne avec qui m'énerve, mais je l'aime bien quand même, tu vois. Des fois je l'insulte, mais je l'aime bien quand même. Après dernièrement j'ai rencontré Urbex et Burn, c'est deux autres personnes. Et puis après bien sûr il y a Evans et tout. Mais aujourd'hui si je devrais te remercier une personne, c'est Fitzay, Like the Boss, qui a été là pour cette chaîne, là pour le Discord. Et comme beaucoup d'autres personnes que je citerai pas parce qu'ils ont disparu. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Brawl Stars c'était le début de ma chaîne, ça a lancé ma chaîne. Ma chaîne elle est toute récente, elle a moins de 4 mois, déjà plus de 700 abos, bientôt les 1000 abos. Et d'ailleurs en parlant de ça, à 1000 abonnés il y a Poney, à qui je devrais dire merci aussi, pour mes TR hein, bien sûr hein. On dira ça, on dira rien. Mais je devrais dire merci à Poney pour ce côté YouTube. Il pourra m'apporter si j'ai 1000 abos en parlant de moi à des représentants Supercell pour que je sois affilié à Supercell pour peut-être avoir des avant-premières ou autres sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi sur YouTube, j'ai décidé de m'investir à contre-coeur. Quand je dis ça à contre-coeur, c'est parce qu'il y a ma copine qui m'a aidé mais qui au début n'était pas pour. Mes parents sont pas du tout pour choisir sur internet. J'ai peut-être 22 ans bientôt. Ça change rien, quand tes parents veulent pas, ils veulent pas. Je me suis investi, j'ai acheté une caméra, ma copine m'a acheté un Blue Yeti, j'ai acheté un casque. J'ai fait réparer mon PC pour YouTube, j'ai acheté plein de trucs pour YouTube. Parce que je me suis dit qu'il faut de la qualité quoi. Mais bon, je vais pas me répéter, les gens qui sont sur mes lives, ils savent ma mentalité. Et comment te dire qu'aujourd'hui, YouTube, ça continuera. Même si je suis moins présent, ne vous inquiétez pas, je suis dans l'ombre, je joue au jeu. Et c'est pour ça que ma chaîne, j'ai envie qu'elle se diversifie, j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul jeu. Donc Brawl Stars, c'est ma chaîne YouTube, mais pas que, il y aura un autre jeu que je te présente dans un instant. Et que voilà, et dernier truc que je voudrais vous dire, vu que YouTube, ça a été le lancement de ma chaîne YouTube, vu que BS était le lancement de ma chaîne YouTube, je me suis dit que je vais garder un souvenir. Je me suis dit comme ça, à partir de cette date-là, jusqu'à cette date-là, ça a été BS.
Et maintenant, voilà, BS, c'est BS sur ma chaîne YouTube, mais il y a un autre truc qui arrive dans un instant. Donc pour l'occasion, je me suis fait un petit tableau. Un petit tableau, comme vous pourrez voir, avec toutes les miniatures que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc on peut voir la toute première. On peut voir toutes les miniatures que j'ai fait jusqu'à maintenant dans l'ordre, exactement dans l'ordre. Ça passe de la sortie mondiale à la sortie officielle, au tournoi, mon premier tournoi à qui je fais un clin d'œil à Benjamin, qui l'a remporté. C'était mon premier tournoi à qui je fais, où je faisais directement du cash prize, je me prenais pas la tête, comme quoi je me suis directement dit je vais m'investir. Parce que les gens se sont investis. Il y a eu mes full victoires avec Matisse et Fitzay, après il y a eu quoi d'autre Et quand il y a eu les premiers skins qui ont commencé à sortir et que j'ai commencé à claquer de l'argent. Et voilà. Et puis après, il y a eu le deuxième tournoi où j'ai pas dormi de la nuit pour organiser le deuxième tournoi. Et puis voilà, et puis après j'ai rencontré, et puis après, et voilà, quoi. Et puis pour le deuxième tournoi, bah, il y a eu Atomix à cette période-là. C'est grâce à lui que le deuxième tournoi s'est créé. Lui qui m'avait proposé la cadence du tournoi. Et puis voilà, après, il y a eu le live teaser, le fameux live teaser que je m'en rappellerai toujours. Franchement, ça a été sympatoche. Et puis voilà, et puis après ça s'est fini en live, mais comme vous pouvez le voir sur les derniers trucs, et bah, je prenais moins de plaisir à jouer au jeu, parce que j'y jouais trop, et c'était plus du forçage pour avoir un maximum de TR et non du kiff. Voilà. Donc j'ai décidé de faire une pause sur Brawl Stars, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours du Brawl Stars sur cette chaîne, hein, que ce soit demain ou après-demain, ou voilà, mais il y aura toujours du Brawl Stars. Voilà, ça fait 7 minutes que j'enregistre la vidéo, maintenant on va passer à la deuxième partie. Et donc là les amis, on arrive à la deuxième partie. Bon, la caméra elle a bougé, c'est normal, j'ai mon casque sur les oreilles, c'est normal. C'est parce qu'au moment que j'ai fait le montage, et ben en fait je me suis rendu compte que mon micro il s'est coupé à la deuxième partie. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est coupé à la deuxième partie. Donc c'est pas grave, on va la refaire. Deuxième partie, c'est l'évolution de ma chaîne YouTube et qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Il y a certaines personnes qui le savent. Deux, trois. Ouais, que trois personnes qui sont au courant de ce qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube. Le reste, vous ne le savez pas. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau jeu. Je veux pas dire le nom du jeu. On se retrouve demain pour un live où je vais jouer à ce jeu avec vous. C'est un jeu mobile, free, gratuit, sur Android, sur iOS. Sur tout ce que vous voulez, sur toutes les plateformes, il pourra être joué sur émulateur facilement. C'est un jeu qui se rapporte à pas mal de jeux déjà qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un petit mélange de pas mal de côtés positifs, de pas mal de jeux mobiles. Donc c'est un jeu qui m'a attiré. Je joue depuis hier, je suis à peu près à 3 heures et quelques, 3 heures et quelques de temps de jeu dessus. Il y a des trophées, il y a des cartes, il y a des personnages, il y a des pouvoirs, il y a pas mal de choses qui font que ce jeu bah, pourrait vous plaire, parce qu'il me plaît. Ça peut être un jeu en parallèle avec Brawl Stars sur cette chaîne. Et vous avez un petit indice, c'est ma nouvelle bannière YouTube. Voilà, j'ai décidé que cette chaîne ne sera plus 100% Brawl Stars, ça sera une chaîne ouverte à deux jeux mobiles. Donc forcément, les développeurs, c'est des petits développeurs du nouveau jeu. Je vais essayer de les contacter pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir certaines infos pour faire des vidéos ou pour avoir des images pour les miniatures ou autres. Moi j'ai déjà préparé mon overlay pour le live de demain. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous serez présents malgré que ce soit pas du Brawl Stars. Moi ça me ferait vraiment plaisir de jouer à ça avec vous en live. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous du coup pour un nouveau jeu. Je ne dirai pas le nom, j'ai dit le nom dans la deuxième partie tout à l'heure à l'enregistrement, mais je me suis dit que je vais garder le suspense. Parce que comme ça vous évitera d'être les petits curieux, tu vois. Donc je vous donne rendez-vous du coup à demain pour un live sur un jeu mobile, et gratuit, tout neuf, un petit bébé avec une petite production derrière, avec une bonne qualité je trouve pour les moyens qu'ils doivent apporter dedans. Et puis écoutez, voilà, il y a beaucoup d'investissements dans le jeu, et puis je vais essayer de m'investir de mon côté pour ma chaîne YouTube sur ce jeu également. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous donne rendez-vous à demain à partir de midi ou 14 h, je sais pas, bon, en début d'après-midi sûr, pour un live sur cette chaîne YouTube, sur un jeu qui s'appelle J'irai rien. J'irai rien, nada. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné pas mal d'infos de ce qui s'est passé dernièrement pour moi de mon côté en rapport avec Brawl Stars, voilà, pourquoi j'étais présent ou pas. Et puis voilà, j'espère que ma chaîne va repartir de mille feux comme elle était partie il y a maintenant un mois, avec ma communauté que j'aime bien, qui sont sur le Discord et voilà. Pour moi, vous êtes comme des potes, vous n'êtes pas une communauté, vous êtes comme des potes. Jusqu'à maintenant, on est tous des potes. Voilà. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau live, la reprise de live sur cette chaîne avec un nouveau jeu. Et puis j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas ça me plaît, ça m'attire, ça m'excite. Donc voilà, sur ce les amis, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. C'était Psytrike. Merci. À toi Fizzy. Merci à vous tous. Allez.